Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Theme Park Travelers. Aujourd'hui on est mercredi 27 avril et on va déjà commencer cette super belle soirée en disant un très bon anniversaire à Papa Travelers. Mercredi 27 avril c'est son anniversaire, donc très bon anniversaire à Papa Travelers, oup oup oup, alias Alain Picard. Et très bon anniversaire à toi encore papa. Et on va aller comme d'habitude aller voir les avancées des travaux d'Avenger Campus. La vidéo de la semaine dernière n'est pas encore sortie, a eu du mal. Je travaille sur un autre projet qui me prend beaucoup plus de temps que prévu. Donc je pense que ça va être une fusion entre la vidéo de la semaine dernière et celle qu'on est en train de tourner actuellement. Donc ne soyez pas étonnés s'il y a des petits trucs bizarres au montage, des problèmes de ciel, de soleil. Il y aura environ 2 semaines de montage mélangé. Allez, on va aller voir déjà si le Pass Infinity est ouvert ou pas. Toi, t'es sérieux? Je regarde. Bon, voici DLP souvenir, Jordan. Merde! Ah, ben alors, ça se trouve, je regarderai. Je vais garder ce rush là. Donc là, vous verrez, ce sera dans le montage. Ça se trouve, en fait, il était devant. Je l'ai filmé, je l'ai même pas vu. Génial. Je me disais, mais attends, je connais cette voix. Trop fort. Ah non, la proba, là. Excellent. Excellent. Ouais, bon, et ben on va rentrer, puis on va du coup visiter, on va aller voir les avancées des travaux d'Avenger Campus avec DLP Souvenir, alias Jordan, futur cast member. A tout de suite. Ah non, attends, pas tout de suite, je vais aller voir si... Parce que d'habitude, à chaque fois, à ces temps-là, ils aiment bien fermer l'accès Pass Infinity. Donc on va juste se faire confirmer que comme d'hab, c'est fermé. Parce qu'ils aiment bien nous enlever les accès. Et comme d'hab, c'est... Ouais, c'est fermé, comme d'hab. Et voilà. Donc bon voilà, allez, c'est fermé, on va aller sur l'entrée normale et puis on va aller voir ce que ça donne, à tout de suite. D'ailleurs, regardez, donc on est toujours avec Jordan et là, la différence que j'ai avec la semaine dernière, la vidéo que vous n'avez pas encore vue en fait, c'est qu'à première vue ici, ils ont terrassé, on a vu des images avec les véhicules qui sont là-haut là en fait, ils ont, je suis pas sûr quoi ils roulent, mais il paraît que ce serait la promenade, c'est ça non? Ce qui m'étonne, c'est cette différence de niveau en fait. Parce que là, ils sont au niveau de la rambarde. Je pense qu'ils terrassent un peu les parcelles de terre dans l'ensemble. Ouais, c'est possible ça. Donc là, on est que dans des suppositions. Les puristes, ne nous tapez pas dessus. On peut se tromper. Si on se trompe, dans ce cas, profitez-en. Dites ce que vous savez dans les commentaires. Et voilà, pour Frozen, on voit beaucoup. On voit plus du tout tous les trucs de chantier. Maintenant, on voit surtout cet énorme morceau de terre sur lesquels. Les engins circulent. Allez, on va aller par là maintenant. En fait, il n'y a plus rien. Donc là, la grosse nouveauté, c'est qu'il n'y a plus du tout d'estrade. Là. Non, c'est pas une estrade qu'on dit, c'est une scène. Il n'y a plus du tout de scène en fait. Et c'est confirmé en regardant un petit comme ça. Il n'y a plus rien. Donc il n'y a plus rien. Donc première grosse nouveauté, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de scène. Je pense que ouais, ça, on va revoir un petit peu une vision. Ce serait bien. Ce hein. Serait stylé. Il y a vraiment. Y'a plus rien. Y'a foutu une palette. Oh, y'a une image. On a plus rien. Allez. Du coup, on vient de voir qu'en fait, y'a plus rien à part une benne à déchets. Et on va regarder un petit peu maintenant s'il y a des nouveautés ici. À première vue, ça commence à se tasser. Ça va être un peu plus compliqué de trouver des nouveautés. De ce côté-là, je sais qu'en allant de l'autre côté, on va en voir une petite. À première vue, pour l'instant, on voit pas grand-chose de nouveauté. Le Goweb, ouais, je l'ai vu, je l'ai filmé, mais il n'est pas encore sorti sur la fameuse vidéo que j'ai pas pu sortir. Donc je vais... Il y a toujours un arbre qui gêne pour le resto de Pim. Bon. Sur le tunnel quantique, vous allez le voir, il a été repeint en noir. Il est le pépère, il est ici. Bah, vous allez le voir, il est au milieu, je vous situerai. Il a été repeint en noir et je vais rabaisser pour que vous m'entendiez. Le problème, c'est qu'il y a un bel arbre devant. Donc, c'est un peu compliqué. Mais là, on le voit bien. Voilà, il est là, le tunnel quantique. Et on va prendre un peu de recul parce que je vais faire un montage avec la vidéo que j'ai faite la semaine dernière. Mais la grosse nouveauté de la semaine dernière, que du coup, vous n'avez pas encore vu, c'est le logo web, comme disait Jordan. Et il est là, regardez, il faut que je prenne un tout petit peu de recul, voilà, là on va bien le voir, et on va mettre en mode zoom x5, tac, regardez-moi ça. Ça c'était la grosse nouveauté de la semaine dernière. Après on a aussi regardé ce travail de briques, qui est vraiment très bien fini,
Là, je pense que je ferai un petit insert avec ce que je disais la semaine dernière, parce que là, il n'y a pas de grosse nouveauté. Et on va essayer d'aller voir par là. Attends, genre... Et là, on le voit. Alors, il y a les échafaudages, tac. Mais on le voit vraiment pas mal. Donc voilà. Le logo web qui est visible aussi. Et normalement, il y a une autre nouveauté. On va aller la voir tout de suite. Elle se trouve quelque part par là, là-bas derrière. Allez, on y va tout de suite. On allait faire une expédition dans les toilettes parce que à certains moments on peut entendre la bande sonore d'Avenger Campus qui est passée, on ne sait pas pourquoi, dans les toilettes de la TOT. On vient d'y aller et là malheureusement il n'y en a pas. Donc on voulait vous faire une petite vidéo, ça aurait été fun, je me serais enfermé dans les chiottes pendant 30 secondes. Écoutez la musique d'Avenger Campus. Mais malheureusement c'est pas possible. Donc on va aller essayer d'aller trouver le dernier point de vue qui est par là. Quelque part par là, vous verrez. Il y a un truc sympa à voir normalement. À tout de suite. Là, on va regarder. La grosse nouveauté, le logo Avenger Campus a été déballé, c'est un truc de ouf. On va essayer de se positionner mieux après, mais... Et autre grosse nouveauté, elle est là, regardez. Logo PimLab, il est ici. Ah, ça avance de ouf les détails là. Ça avance de ouf. Et là, on retourne. Regardez tout doucement. Et le logo Avenger Campus qui a été déballé. Ça avance. Regardez. Oh non. C'est trop beau. Parce qu'on va encore voir un petit peu les incrustations sur le logo PimLab. Et ça y est, c'est en train d'apparaître. Alors je zoome maintenant parce qu'après je pourrais plus. On y va. Je crois que c'est par là. C'est ici. PimLab. Trop bien. Semaine. On regarde vite fait si autre chose, mais c'est déjà pas mal. Ce sera tout pour aujourd'hui. On va aller se dire au revoir de l'autre côté. C'était déjà plutôt assez sympa. À tout de suite. Donc là, on revient par là. Je vais en profiter tout de suite pour vous faire un petit montage et insérer ce qu'on voit de l'autre côté, côté bâtiment Stark Industries. Il y a une petite nouveauté aussi, en tout cas pour la chaîne, c'est peut-être, si c'est pas une nouveauté, vous nous le direz, mais il y a un nouveau détail qui est apparu, et après on va revenir juste après cette vidéo. À tout de suite. On verra bien s'il y a des nouveautés, mais bon, très beau Stark Industries. Après voilà, je ne sais pas s'il y a plus de nouveautés que ça. On comparera, on mettra vidéo avant après, et puis voilà. Donc ça, c'est la sortie de l'attraction Spider-Man. A tout de suite. Là, je viens de voir, regardez. Je ne sais pas si c'est nouveau, mais c'est nouveau pour nous. En tout cas, regardez, il y a une belle affiche qui a été peinte. J'essaierai de la lire a posteriori. Mais là, une très belle affiche qui vient d'être peinte. Bon, peut-être que je l'avais ratée la dernière fois, mais en tout cas, c'est une nouveauté pour la chaîne. Ouais. Elle est juste au niveau de la sortie. On va se quitter sur cette vue. Alors attendez, cette vue a l'air vraiment top. Vous allez regardez-moi ça, attendez. Hop, x5. Top. Regardez cette ombre. Regardez-moi cette ombre, comment elle est magnifique. Et en plus, le mur de LED est en train d'être testé. Pour l'instant, c'est en fixe. Mais regardez l'ombre au milieu. C'est trop stylé. Voilà, donc on va résumer. Les nouveautés, c'est la scène. Hop, on va dézoomer, on va mettre en grand angle même. Les nouveautés, c'est la scène, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout. Il n'y a qu'une benne à ordures, c'est tout qui reste.
On a pu voir de l'autre côté, côté bâtiment Stark Industries, qui a une affiche. En tout cas, si c'est pas une nouveauté, c'en est une pour nous. Mais je pense que c'en est une. Une très belle affiche dont je mettrai le texte si on arrive à le déchiffrer en dessous, sûrement. Parce que pour l'instant, j'arrivais pas à le déchiffrer en direct. Autre nouveauté qui s'est passée surtout de l'autre côté par là, une vue sur marqué Pim Lab. Donc, ils sont en train de mettre les décors, ça y est, sur le restaurant de Pim. Et on a surtout aussi vu le logo Avenger Campus qui a été déballé pour la première fois. Et du coup, ça, c'est peut-être même une exclue de la chaîne. Donc voilà, des très belles nouveautés. Et comme d'hab, hein, si vous avez aimé le petit pouce en l'air, pensez à vous abonner, à cliquer sur la cloche, qu'on prévient jamais de quand la vidéo sort. Et puis, on se retrouve dans une semaine pour une prochaine vidéo. À très bientôt.